Monsieur Rachid Bendo, vous avez dit que les militants qui s'activent, la passe et mort à Québec, vraiment des nerfs. Là, je suis toi là, vous savez, règne la conférence qui dit qu'on parle. Est-ce que tu connais? Alors, une conférence de rêve, une Al-Rachid, tout s'est bien déroulé, son programme s'est très bien déroulé, on a été au Parlement, on a donc, parlé de la question, on a rencontré des députés, auxquels on a soumis la question Kabyle, on a eu une entrevue de Radio-Canada qui désotère une des émissions les plus écoutées, on a eu une entrevue à Radio-Shalom, en plus de la conférence à Guerre. On a rencontré les représentants de la communauté séfarade. Un article qui a été publié dans le journal Le Devoir, pas n'importe quoi, des journaux les plus prisés ici à Montréal. Donc je pense que la visite de Farhad a été un succès total. Voilà. Alors, Farhad Mkran, Farhad Menni, le président du GPK de Montréal. أمش تولي ما تصل عشي ديوسان مدن فرحناك السارم أمك أغدينا فرحات أن دكلف إيوكن أنسبت فمورث قبيلين ألور سيطا ذكين جرون فيرتي كون عقيم يوسو فرحات مهني سيا موريال لتصل ايتي أرشيكم Je pense qu'il a convaincu tout le monde que le temps est venu pour créer vraiment un état régional est nécessaire parce que si on continue de cette façon à s'éparpiller un peu partout, on risque de perdre nos origines et notre mode de vie. Ok, merci. Très convaincant, rien à dire. Et c'est la seule alternative dire que même pour la Cabinia, on doit fonder notre état. Je le vends demain. Et c'est pour en plus. Fait un temps, il a démarré, c'est moi qui suis le ministre, c'est un des ministres, c'est le premier. Il a fait un peu de temps, 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 il a fait une confédération du peuple à Mazer d'Afrique du Nord. أعتقد ولا بدأ سرقة جاد يا خمس فرحات ده شو نزمة ضعفنا إسقناكي دسكنا وسيرن كمان إسقنايت نصلمو إسقنايت سك سون إسقام لك كن 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 إنفيت à parler sur la Zawad pour moi ça me tenait incroyablement à cœur la question de la Zawad il l'a soulevé il a donné un fiscal les points qu'il a fait c'est-à-dire il n'est pas seulement autonomiste pour la Kabylie derrière ça il y a toujours la question berbère en général mais il s'est concentré sur la question kabyle parce que chaque Azawad, la Kabylie, un Chaouyen et plus tard ceci, cela, on doit faire des petits états comme les Arabes, il y en a plusieurs états arabes. Il n'y a pas juste un état arabe, il n'y a pas juste un état français. Ici on est au Québec, il y a la France qui est aussi française et tout ça. Ça prend un départ. Le départ c'est la Kabylie, il a très bien expliqué sur ce qui est sa vision sur la Kabylie. C'est une, de toute façon, c'est une démarche démocratique et populaire. On est ici au Québec. N'importe qui peut venir, même la DRS, les intégrer, ce que vous voulez, c'est très bien fait. C'est bien, la conférence
قسم جميل الغشي غطاسي بلي روحات دايني صفرح نطاس الديسكوري نسي يتقنع يتقنع كوم دابيتود السراب غافريد انت اللي دي وغران اللحو أحضر لين يوري ضربين سوى ما فريد اكي كان راي صفر اغرافة قبالي انا نظن كل اين نقريو بنخدم ذاك دونك سي ياكو سا كي كيفا نوزب بتير كيفا بخراب بتير مطرقوما أجل ضرف الأول بنرد تفكر الرئيس فيني على لا كونفيرونس هاكي نايد كي ديجا قنعة فيكي جو ميليتون لان الحوايج مادنا عطاس واحد مادنا القبيله هذيك وكاز الاوتونوميا كيل هي قرا دو كاز باسكو اكيد تسكر لا كل لي كومبا غير بعد باش تربح الى قا الى قا اذ ذكر غير قا دو كريم الى قا وتسوى الدار غتصنع زد وتسوى الدار Peut-être qu'on a été, on a été abusé donc carrément. Non, carrément, ça n'a plus, ça fait partie, c'est ça, non? Ça fait partie du culture arabe. Je suis d'accord, c'est au GCA, c'est au mal de travailler ça, de travailler sur le terrain, de regagner la confiance des gens. Parce qu'on a été abusé, parce que dans le monde, les partis politiques, c'est ça. Déjà la démarche. Si on avait demandé l'autonomie des années 80, le 20 avril, juste après le 20 avril 80, ce serait une formidable chose. Mais de 80, qu'est-ce qu'il y a qui a cassé cette dynamique ? Parce que si on n'arrive pas à tirer certaines des leçons du passé, les 2001, les événements de 2001, ils ont rasé complètement la cabine. Ils ont déstructuré la cabine. Il n'y a plus d'associations culturelles. On est là. Si on se compare en 90, quand quelqu'un aujourd'hui, est-ce qu'il faut construire une société civile ? Mais donc, dans le fond, il faut construire le citoyen. Le citoyen. Il faut investir dans le citoyen. Dans le fond, tu es d'accord avec l'idée d'autonomie. Non, c'est tout le monde qui se pose la question. Les jeunes. Les jeunes familles. Parce que le problème, c'est que notre culture, notre réaction, ça veut dire à chaque fois, c'est quoi la question ? Et c'est le problème.